trois bons conseils pour un aménagement comestible à entretien minimal qui va être durable. L'utilisation de vivaces qui vont être plus résilientes. L'idée, c'est de mettre la bonne plante au bon endroit. Deuxièmement, la pose de paillis qui permet de minimiser les trois tâches principales du jardinier, le désherbage, l'arrosage et même la fertilisation puisque ça devient à moyen terme du compost. Mais à la base, le troisième conseil, c'est de bien amender le sol avec un bon compost pour avoir une culture là, de manière biologique, avoir un sol bien vivant. Et comme ça, on peut avoir des plates-bandes qui sont aussi ornementales que comestibles.